Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, podcast où on va parler d'un petit micro tout simple, le SST1, un micro Sony qui vient se fixer sur les appareils photo de la gamme NEX. Ici, un NEX5 ou un NEX3, pourquoi pas. Le Sony SST1, c'est un micro super simple qui coûte aux alentours des 120€ sur Amazon. Je l'ai commandé là-bas, il m'a coûté exactement 118,90€. Alors, il se compose comment? Et si j'arrive à enlever la bonnette, c'est un micro donc directionnel, micro stéréo, donc avec deux canaux, left and right. Vous pouvez changer ici, alors du coup je ne sais pas si la mise au point se fait puisque j'ai pas le retour d'écran, l'angle de captation du son, donc 90 ou 120 degrés, si vous voulez réellement capter le son qu'il n'y a que devant ou le son plus ou moins ambiant, s'il y a plusieurs personnes qui parlent comme dans le podcast mensuel que vous verrez demain. Ce micro donc est très bien, il vient se fixer sur la griffe de flash, comme vous le voyez ici, il y a le même système de fixation que le flash qui est fourni avec les NEX3, NEX5. Il se verrouille de la même manière avec une petite vis. Il y a une petite bonnette qui est fournie dessus et que je vous encourage à mettre tout le temps, tout simplement parce que c'est pas pour l'encombrement qu'elle prend. Puis maintenant cette conne elle s'en va facilement, c'est pas pour l'encombrement qu'elle prend que c'est dérangeant, donc vous pouvez l'y laisser dessus tout le temps, et puis surtout ça protège du vent, le moindre souffle etc. sur un micro c'est fortement désagréable, donc du coup vous avez un son toujours parfait. Ce que je vous propose c'est de couper la vidéo là, je vais finir maintenant que vous l'avez bien vu, je vais finir la vidéo avec le micro dessus de manière à ce que vous vous rendiez compte de la différence de son. Là c'était avec le son normal enregistré avec le NEX5 et là c'est donc le son capté avec le SST1, le petit micro donc de Sony. Donc d'un point de vue packaging c'est super simple, vous le recevez dans une petite boîte toute simple. Dans cette boîte toute simple, c'est que du plastique tout simple encore une fois. Vous avez donc votre micro qui va être stocké ici et à l'intérieur ici dedans, dans le petit espace, vous avez un rangement pour votre micro. Donc ce rangement il va pas chercher bien loin, hein, c'est tout simplement une autre petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre votre micro. Si par exemple vous shootez toujours avec votre la priorité pour votre NEX c'est la photo, vous laissez toujours le flash dessus parce que vous faites des photos au flash, vous êtes un godin. Donc vous mettez votre petit micro là dedans pour pas qu'il s'abîme et vous pouvez vous balader tranquillement, ou tout simplement si vous voulez pas avoir votre micro toujours fixé dessus. Moi je me balade toujours donc avec la Black Rapid, le NEX sur le côté et le micro fixé dessus, et forcé de constater que le micro est quand même super bien fixé, qu'il est assez gaillard. Malgré que ça soit du plastique gris, mon NEX5 est noir, le plastique est gris, donc bon c'est pas dérangeant, mais surtout la construction est réellement solide, c'est à dire que c'est vraiment bien fixé, vous pouvez taper dessus un petit peu, s'il se balade ça va pas le péter, et ça c'est quand même pas mal agréable. Donc ce SST1, comme vous le voyez, comme vous l'entendez plutôt, le son est vraiment très correct. Le prix est donc de 118,90€ sur Amazon. Si vous avez comme objectif de faire de la vidéo, jeu de mots marrant, si vous avez comme objectif donc de faire de la vidéo avec votre NEX3, NEX5, qui est une alternative très sérieuse à une caméra, il ne faut pas oublier qu'un NEX3 ou un NEX5 ça reste un petit réflexe de poche. Donc là je filme avec le 16mm à 2.8, vous voyez que derrière l'image est floue, donc il y a moyen de faire des vidéos très 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 sympas en se penchant un petit peu dessus, ce qui n'est pas du tout la thématique aujourd'hui. On y reviendra sûrement à faire des vidéos avec le NEX5, qui est donc une très bonne alternative à la NEX VG10. Si vous n'avez pas besoin de brancher nécessairement un micro dessus, ou que c'est juste pour faire de la vidéo, le NEX5 là sort tout son potentiel et j'avoue être un peu sur le cul de la qualité de la bestiole. C'était donc le test du Sony SST1 micro stéréo directionnel 90-120 degrés pour Sony NEX3 et NEX5, et c'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée, je vous dis à très vite, ciao ciao.